trouve aujourd'hui pour Shrek in the Backroom. Donc apparemment, ça a été très bien noté pour 235 270 likes contre 30 588 dislikes. Donc ben, on va aller tester tout ça. Donc déjà au niveau des images, pour les entités, il y en a Shrek et le portail qui ressemble fortement au portail du Nether dans Minecraft. Donc dans ces casiers, on peut retrouver tout ça pour crafter un lance-roquettes et essayer de vaincre Shrek. Voilà. Donc ben, on va voir ce que ça donne. Alors, déjà je vois qu'on peut piéger les entités. Alors, mais je propose qu'on commence. Violence légère fréquente. Voilà. On gère la dashboard de Twitch. Et donc, c'est parti. Alors, hebdomadaire, tueur d'entité. Ok, donc on peut avoir des tueurs d'entité. Tu te demandes si les gens ne sont pas fous des fois. Bref, voilà, la map a chargé. Ça s'est allumé, téléportation. No clip air. Ok. Dans la boutique. Bon, il y a quelques lags à ce que je vois. Acheter la nucléaire. Wow, c'est pire que des lags là. Gunfighter, ouais, mais pour l'instant j'ai que dalle. Ah, je vois, il faut utiliser la souris. Ok. Au bout de le septième jour, la nucléaire. Donc ça devrait être assez divertissant. C'est qui lui? L'exterminateur, minigun, x3 de santé, aucun dégât de tâche. Attends, je peux l'acheter? Ouais, c'est ça, on peut l'acheter. Ok, donc là c'est direction les backrooms, mais là le téléporteur, mais qui ne marche pas. Alors. Mercredi! Me dites pas que c'est le skin de mercredi. On se taille, warning. Autoriser le personnel à y entrer uniquement. Ok, porte, violation. Garder les entités à l'écart de l'installation. Et je vois qu'on doit se téléporter directement. Ah, à part si je peux traverser le laser. Bah ouais. Allez, bah on est dans les backrooms. C'est parti. J'ai vu un truc là-bas. J'y vais un truc. Je peux courir ou pas? Je crois qu'on est déjà en vitesse constante. Sprint L3. C'est quoi L3? C'est quoi L3? Punaise, je sais pas. Bon. Je crois qu'on va se faire cartoucher. Là-bas, il y a du monde. Là-bas, il y a du monde. Oh. Qu'est-ce donc? Oh putain, il y a un Shrek. D'accord, donc je vois que si on le regarde, ça joue sur la santé mentale. Et le pire, c'est qu'il est où? Juste derrière moi.
Allez Shrek, va mourir en... Mais pour le coup, c'est lui qui m'a buté, j'allais dire va mourir en enfer. Bon, bah déjà ça commence bien. As. Je demande si c'est de mon autre cul. Il y a même l'âne. C'est quoi ce Beans? Shrek et l'âne. Et ouvre, enfoiré, pour que tu la laisses. Mais écartez-les du spawn! Mais là, il chante sa musique. Il est rapide celui-là. Si je m'écarte, en théorie, il devrait partir. Wesh, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui te parlent de pizza. Je crois que Shrek s'est transformé en Super Saiyan. J'entends les gens mourir. Bon, il veut pas partir là? Eh, hey, utilise ton ultra instinct, toi! Et toi là, t'es qui toi? Sérieux, on peut pas. Non, mais en fait, tout ce qu'on peut acheter, c'est que de l'argent réel. C'est bidon. Oh! Les backwoods. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement. Déverrouille de nouveaux niveaux pour utiliser le téléporteur ou débloquer maintenant. Non, non, non. C'est quoi ça? C'est une vidéo? Non, je peux même pas. Ok. On s'en fout. Et on y va. Allez, on stay. Ah d'accord, c'est bon, j'ai capté le bouton. Putain de... Une troisième entité. Yes, je suis sauvé. Bon, déjà, il y a trois entités dans ce niveau comparé aux autres vidéos que j'ai déjà tournées sur les backrooms de ce jeu. Ben là, franchement, il y a du gameplay. Fil électrique. Mais qui... Mais comment? Comment? Attendez, on va vérifier un truc. Déjà, faut que je me fasse de la place pour la souris, là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, mais oh. Télécommande, elle vire. Le bloc-notes, il vire, j'en ai plus besoin. Voilà. Ok, donc ça, c'est mes matériaux. Je vais enlever la montre vite fait parce que ça me gêne. Bon, ben, si vous êtes prêts, je suis prêt. Si tout le monde est prêt, on est prêt, on y va. Ok, lâchez le piège sur les entités. J'espère qu'ils vont pas me flinguer. Ah, mais je comprends pourquoi je pouvais pas ouvrir la porte. Comme un gland, je n'appuyais pas sur le bon bouton. J'appuyais sur X au lieu d'Y. Je suis mort par là, moi. En voulant fouiller un truc. Oh. Une boussole. Elle marche même pas. C'est du trucage. J'espère juste que si je meurs, je vais pas la faire tomber. On va suivre les flèches, à moins que ce soit des fausses indications comme dans l'autre. Mais c'est bizarre, il n'y a plus rien. On s'enferme, on s'enferme. Je peux même pas l'utiliser quoi. Ah si, j'avais pas capté en haut de l'écran.
Ok, donc ben, je sais même pas dans quelle direction déjà il faut aller. Mais non, il rentre avec. Ah franchement, Lan, je te hais, je te hais, je te hais. Y a pas moyen, il faut que j'aille récupérer ma boussole. Oh, y a de l'argent. Juste les gars, laissez-moi ma boussole quoi. C'est pas là. En fait, on peut les piéger, quoi. On a réussi à se caler. Punaise. Par contre, j'ai plus ma boussole. Et du coup, voilà. Donc c'est soit on s'enferme nous, soit on enferme les mobs. J'avoue que ce serait une bonne idée d'enfermer les mobs en cité kills. Ok. Donc on peut les tuer vraiment vraiment. Ok. Donc attendez, on va regarder ce qu'on peut faire. Ça c'est quoi ça? Les tâches. Ok. Pour obtenir de l'argent. Ça c'est franchement cool. Je pense qu'on va y jouer souvent. Fabriquer, fabriquer. Oh. Mais la grenade elle m'intéresse plus. Tireur unique. Ok. Donc déjà. Il y a énormément de trucs à trouver. Je comprends pourquoi il y a tant de likes. Et donc, au moins, ce qui est bien, c'est bon, à part les items, les outils qu'on trouve sur le sol, enfin sur le sol dans les placards, on les garde. Donc, mon argent, je ne sais pas où aller. Je crois que c'est. Je sais pas. Ah, si, là. 26. Ok, 999 pour le Terminator, quoi. Je peux enfin acheter un pistolet. Mais du coup, est-ce que je dois acheter les munitions? Je ne sais pas. On va économiser l'argent. Déjà, est-ce qu'on est sur le bouton courir? Ok. On voit qu'il y a une différence là quand même. Ok. Bon, on va patienter un tout petit peu le temps qu'il dégage. Dieu m'en soit témoin. Salut toi, salut toi. Putain, mais c'est une blague ça? Je suis sûr. Oh là 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 là, c'est quoi ce niveau? Bon, j'avoue, ça rajoute franchement du gameplay. Le fait que ce soit aussi difficile que ça. Allez hop, de l'argent. Je pense qu'on a trouvé de l'argent un peu partout. Mais franchement, je valide. Oh, il y a de l'argent. Mais c'est un piège? Je ne sais pas. On va attendre mon micro histoire qu'il soit un peu plus près de la bouche. Comme ça. Ouais, voilà. Mais moi, je m'entends plutôt bien. Il y en a un derrière moi! Je sais pas, toi, tu fais un slam? Je sais même pas où je vais. Autant je vais dans un mur. Il est rapide, hein. Oui. Putain, oui. Va-t-on y arriver? Va-t-on y arriver? On est sur la 14e minute. Ah, le commentateur de match de foot. 14e minute. Bonjour. Vous entendez? Il est juste derrière la porte. Un catané.
Comment, moi? Est-ce qu'on est le seul dans le niveau? Non, on est quatre. Shrek Queen. Oh, punaise. Quantité kill. Mais il y en a, ils ont tué des mobs. Et... 69, quoi. C'est un bon, c'est un bon. Je te valide. Cuc. Plan de cuc. Ah, là-bas, ça tire à balles réelles. On se sauve, on se sauve. Salut! Oh, il a niqué l'âne! Il a niqué un âne! Allez, vite, on se taille. On sait pas si les entités peuvent respawn. Je répète, on ne sait pas si les entités peuvent respawn avant d'avoir changé de niveau. Donc, on va profiter pour fouiller tout. Je serais que je l'ai. Oh! Wouah! Bon, déjà je vois qu'on a balle infinie. Pizza. Ça doit être pour ma life. Bon, j'ai un moyen de me défendre. C'est plutôt viril. Ou pas. Qui me. Pizza! 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 Peut-être de ma mère à faire un mix. Pizza, pan, pan. Ah, ici je le sens bien, je le sens bien. On a personne derrière. Du plutonium. C'est la pierre de Pluto, non? Plutonium. Ouais, d'accord, c'était bidon. Ok. Oh, de l'argent. Mais ça vaut pas une vie. Ok, donc j'avais bien deux pizzas. J'ai déjà une quête d'accomplir ce que je vois à gauche. C'est quoi ça? Ok, il y a un bug dans la matrice, négro. Alors, on va essayer là. Hein. Quand je dis bien, bien, si j'aime bien, genre bien, bien. Allez. La tête de WAM, on est parti super loin du spawn. Je sais même pas pourquoi je me prends des dégâts. De la ferraille. Ok. C'est un trou. Perdu. Fond de la jungle. Jamais perdre espoir, les amis. Jamais perdre espoir. Ok, je me suis tapé un demi-tour sur moi-même. J'ai vu un mob. J'ai vu un mob. C'est pas un mob. On va à la plage, les gars. On va à la plage. Ramasser une pelle. Me dis pas que c'est... À quoi ça servait, je ne sais pas. J'ai vu un truc en bas à gauche de l'écran, mais j'ai pas eu le temps de bien lire. J'étais focalisé sur la pelle. Est-ce qu'on peut dire qu'on a la pelle? Hein? Allez, on fait l'appel. Je suis revenu au début? Non, c'est pas possible. On va faire une petite sécurité, ok. Il y a un truc qui débarque de nulle part. Plutonium. Alors, déjà on fait ça. Claim pour de l'argent. Tuer 5 entités, survivre pendant 10 minutes. On est déjà à 6 minutes, c'est déjà pas mal. Non! Là, c'est à si je me gourre dans un trou, quoi.
Oh putain, mais il me rajoute tout le monde, les gars. C'est quoi ce bordel? Vais-je m'en sortir? Ça, je ne sais pas. Je crois que je suis en train de tomber en boucle. Et c'est mort. Bonjour. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Je ne sais pas. Tête de WAM, je sais même pas si on voit que j'ai. Ah non, d'accord, zéro. Putain, j'étais presque à un but d'identité. Bon. Chez moi, il n'y a pas de défaite. On va se taper un sprint, ma gueule. En plus, j'étais dans le trou du cul de la map, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on part et qu'on revient sur un truc, il y a toujours quelque chose à trouver. Regardez. Je crois qu'on peut les faire infiniment. Genre ça doit se recharger automatiquement au bout d'un certain temps. Je le sentais pas du tout. Boum! Backroom numéro 2. Yes! Alors les gars, comment ça se passe dans la matrice? Bon du coup je sais pas c'est quoi les entités ici. Essayez de débloquer la porte avec la clé. J'ai pas de clé. C'est quoi ça? Y'a un truc là en plein milieu là. Oh la clé. On débloque la clé. Et c'est quoi si je dois trouver la bonne porte? Non. Stylé, franchement. Il n'y a même plus le trou dans le plafond, les gars. C'est top. Quel... Quoi, niveau 14? T'es qui, toi? A gagné la récompense visiter Pool Room. Non. Trop stylé. Attends. C'est vraiment trop stylé l'équipe. Là je rigole s'ils nous ont mis un ça. Vous savez les clowns là. C'est quoi ça? Un poisson. Tête de ma mère, on a ramassé un poisson. Donc en fait ça doit être comment dire chaque truc à récupérer dans chaque niveau. Donc des trucs spé. Wouah. Si je me pomme là je suis pas dans la nouille. Mais non il y a toujours des flèches. Ça a l'air d'un niveau assez soft, mais en vrai de vrai, le mec il a dû se casser la tête quand vous voyez tous les labyrinthes. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. C'est un joueur, ça. J'espère juste que t'es pas une entité, gros. Non. Donc voilà, on a bien des trucs à récupérer dans chaque niveau. Ça doit être un espèce de collector. C'est sombre là. Des... À quoi servent les escales? Une tongue. Ok. J'ai bugué. J'ai bugué. Les gars, mais c'est immense.
du coup, je suis perdu. En plus, si on regarde bien l'eau, on dirait qu'il y a des vagues. En fait, c'est juste les effets d'ombre. Flèche, c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Attends, il y a de l'argent là-bas. Moi, je suis un gros rapace et je veux de l'argent, je veux de l'argent. En plus, il n'y a pas d'entité pour l'instant. C'est une safe zone, je pense. On va aller jusqu'au plus loin possible. Et à mon avis, le téléporteur, du coup, il va se débloquer sur les niveaux où on va pouvoir retourner. Tête de bois, ça me rappelle dans E.T. On est là, on ramasse des sous, comme dans E.T. qui ramasse des bonbons et on finit dans un garage. Alors. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Il me plaît bien ce niveau. Il me plaît bien. On a retrouvé le chemin. Je pense avoir récupéré tous les items de ce niveau. À savoir 3. Voilà. 4. À mon avis, ça, vous savez ce que c'est? C'est des restes d'humains. Enfin, des restes d'humains. C'est leurs items qu'ils avaient avant la mort. Si vous, vous croyez au backroom réel, dites-le moi en commentaire. Ok, il faut aller là. On va quand même visiter. On sait jamais si on a oublié quelque chose ici. Ça va jusqu'à où? Oh, le mec, franchement, celui-là qui a créé la map, c'est un dieu. Comment il s'est cassé la tête? La tête de moi. Il doit y avoir un item à trouver, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des pages complètes à remplir. On va regarder par exemple. Je crois que c'est là. Recherche. L'appel. Il y en manque un, il y en manque un. Il y en manque un. Je sais même pas si on va le trouver. Bon, tant pis. Vous savez quoi, on aura qu'à revenir si jamais on peut revenir avec le téléporteur. Dans le pire des cas, ben... Tant pis. Après, j'aurais dû fouiller un peu... Ça inspire rien de bon. J'aurais dû fouiller un peu au niveau de... Des maisons là-bas, parce que j'ai dû louper quelque chose, forcément. Oui, bon, c'est peut-être désagréable ce que je fais, mais en attendant, ça me permet de voir s'il y a quelque chose. Niveau 3. Oh là 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 là. A gagner et commence à visiter la place de jeu de The Monkey Fan. Oh non, 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 non. Je déteste ça. Oh, mais regardez-moi ce labyrinthe. Oh, franchement, c'est un bon celui-là qui a fait ça. Vous savez quoi, là on va quand même aller dans mon propre sens. Hein. Ben voilà. Si tu lis cette note, tu es en danger. Car dans ces tunnels vit un étranger. Ne laisse pas ton attention s'égarer vers l'exploration et le plaisir. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle commence à courir. Oh là 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 là. Franchement, bonhomme, bonhomme. En plus, c'est une rime. Limite, c'est un poète le truc. Oui, mais je veux... C'est ça? Moi qui parlais de lui tout à l'heure. Par rapport aux enfants, le mec il a fait une référence du turfu. J'espère qu'on va pas mourir ici, on est déjà suffisamment loin. En plus, il n'y a pas de flèche. Voilà, donc en fait c'est à l'instinct. Bingo. J'aurais dû fermer ma bouche. A chaque fois que je dis quelque chose en plein live qui finit sur YouTube, je finis toujours pour me faire avoir par mes propres mots. Un pistolet. Tête de ma mère, celui-là m'a fait un frisson.
Ça veut dire qu'il commence à courir. Je préfère même pas me retourner. Youhou! On a terminé le niveau. Non, pas du tout. Ouah, mais c'est un monstre. On sort de tout ça pour atterrir là. En plus, récemment, j'ai vu un truc sur... Bref, ce jeu. Je parle des bouboules, hein, pas du reste. Yeah! Bois visiter The Monkey Fan Club. Ok. Il y a un truc vers l'arbre là-bas. Là. Il y a quelqu'un qui est mort. Bon là, du coup, je sais pas du tout à quoi... Là, je vais y arriver. À quoi m'attendre? J'ai ramassé les pièces, non? Je sais pas à quoi m'attendre. Oh! Bon, tant pis. Comme item. Indiana Jones. Ramasser son chapeau. Pauvre le toit. Je pense que sortir vers ce truc. En fait, il y a des niveaux où ils sont safe et des niveaux où il y a des mobs. C'est quoi, c'est un avion ça là-bas? Non, c'est une branche. Je sais même pas ce que je dois trouver pour sortir de ce niveau. Mais franchement, il s'est gavé le mec qui a fait ça, mais. Déjà niveau 5. À mon avis, ça doit être le. Et voilà, et voilà. Oh, si je suis pas un chatteux. Si j'ai pas un ch... Bref. Le jardin infini. Oh. On s'en sort plutôt bien, on s'en sort plutôt bien. Et pour l'instant, il faut dire que depuis le premier niveau, on est resté avec 50 points de vie. Le pot, le fameux pot à ramasser. Ah non, c'est pas pareil, c'est un arrosoir. Mais je me demande ce qui se passe quand on a complété les catalogues. Il y a un truc sur la branche, on dirait un fruit, un gland, une pomme, une pomme. Un gland. Vraiment une tête de gland ce mec. The Monkey. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'ils vont me servir les badges, mais. Oh là là, on s'en paye. Et voilà, on passe encore au niveau suivant. Pour cette petite demi-heure de live. Vous voyez là-bas? Vous voyez là-bas? Je sais pas du tout ce qu'on cherche. Une échelle, bon. Ah, franchement, le mec c'est un génie. Mais du coup, je pense qu'on doit faire, on doit trouver des lettres pour assembler un mot qui nous guidera vers la sortie. J'ai eu peur d'une machine. Ah, franchement, le mec il a géré. En plus, à chaque map, son propre système de récolte. Ah, je suis fan. Si vous saviez à quel point. Des fois, il est en train de se faire lever là ou quoi? Ouais. Non, c'est un mot de passe. C'est bon, moi qui croyais que c'était un O. Ok, je repars par là où je suis venu. Déplacement intelligent, fusil à double canon. Oh là 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 là, c'est un régal. Mais il est passé où mon fusil? J'avais un fusil il y a 2 secondes.
Non, oh là là, c'est un gros bug là. J'avais un fusil. Je peux vérifier dans mon sac. Bon. Cette fois-ci, il n'y a même pas de flèche pour indiquer une sortie. Ah là, encore un ordinateur. Bon, je sais pas combien il faut pour avoir un mot de passe. Mais... Donc, à mon avis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ok. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est resté en bleu, c'est une lumière vive. Oh punaise, yes! Ça a restauré ma vie. Ça permettra d'aller beaucoup plus loin. Oui, je fais des petites captures d'écran, de temps en temps je garde les mots de passe, on sait jamais si c'est les mêmes mots de passe ou si le mec a pensé à vraiment tout réinitialiser. Il me manque deux ordinateurs. On peut se cacher. Je sais même pas si les entités nous voient. D'accord, donc moi je viens de là. Ok, il manque deux chiffres. En espérant qu'il n'y en ait pas 10. Tiens, il y a un objet là-haut. Ah, donc en fait, il y a des objets cachés. Du plastique. Plus que un, plus que un, les amis. Putain, je t'avais pas vu, toi. Il est là. En plus, il y a un objet à ramasse. Je suis désolé, les mecs. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Ne jouez jamais avec moi à Roblox. Là pour le coup, on peut dire que je suis un bel enfoiré. Et voilà, j'ai le mot de passe. Des frites. J'ai le mot de passe. Vite, vite, vite. Ok, 6, 4, 7, 6, 4, 7, 1, 7, 4, 0. Quoi, il me manque des... C'est quoi ce bin-ci? Il me manque des... J'ai devoir jusqu'à combien?
J'espère qu'il est pas mort. Voilà, pour la 40e minute, on a réussi à franchir je ne sais plus combien de niveaux. On visite l'ascenseur. Choisis la right level. Je le sens pas, je le sens pas. Allez, on va au sixième. Bon, les amis, est-ce que ça va se terminer tout de suite ou est-ce que je vais y arriver? Non. Bon, on doit pouvoir se servir du téléporteur. Oh, yes. Yes, 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 yes. Il y en a. Sacrément. Boum. Donc c'est pas le 6. On va prendre le 4. À mon avis, on va mourir plusieurs fois. Fait que c'est le bon, 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 fait que c'est le bon. Et non, c'est loupé. On va y arriver. On va y arriver. Donc c'est pas le 4, c'est pas le 6, on va choisir le 1. Parce qu'on est gentil. Il y a un mec qui a voulu me suivre. Mais punaise, mais c'est le combien? Pas le 1, pas le 4, pas le 6. En tout cas, il s'est gavé pour les transports. Pas le 1, pas 4, pas 6. On va essayer le 5 et après, il restera le 3 et le 2. Yes! Yes! La chambre des portes. Donc c'est une chambre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de placard. Il y a... Putain. Donc seule cette porte... Non. Je sens que ça va être un vrai labyrinthe. Je sais pas pourquoi, mais on va se taper un mob. Là, on va se prendre un angle. Après, il est tellement fort le mec que dans sa conception, il aurait pu faire une porte qui donne sur l'XT. Alors, spam le bouton, ça ira plus vite.
Et à un moment donné, je vais ouvrir une porte et ce sera la mort. On pense que c'est un niveau safe. Putain, mais. J'ai trouvé. Non, c'était long quand même. Le level fun. Ça me plaît pas du tout. C'est quoi ça? Faut que je rassemble des pièces. Je sais même pas à quoi ça ressemble à part des cubes. Tu peux me donner un indice? Là, ça, un cas. Georgie? Georgie! Donc il y a ça, il y a Georgie. Déjà, on va voir au spawn, est-ce que le cadeau a apparu? Oui! On va aller là cette fois-ci. En tout cas, j'ai kiffé les tapis comme ça dans mon enfance. En tout cas, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde ici. On va voir si je peux en rassembler plusieurs. Putain, mais va vite cet enfoiré. Wesh! D'accord. Ils ont l'air assez inoffensifs quand même. J'ai entendu un coup de fusil, je ne sais plus tout seul. Après, est-ce que si je déverrouille la porte, ça déverrouille pour tout le monde? Ça, c'est la question que je me pose. Donc, on a le vert et on a le jaune. Ok, on avance plutôt bien, il nous en reste 3. Georgie! Je viens récupérer tes cadeaux! Parce que ça recommence. On est bientôt 50 minutes. À mon avis, les trois derniers sont derrière Georgie. Georgie 1, 2 ou 3. C'est quoi ça? Yes, bubble. Bubbles. Bon, va falloir les affronter. À croire qu'ils sont inoffensifs. Ouais, ils sont inoffensifs. Un peu de partout. Placement des meubles inhabituels. C'est des viewers ou non. Je peux pas manger le gâteau, c'est l'un de mes gâteaux préférés en vrai de vrai. Il y a quelqu'un. Bon, du coup, il me reste un cadeau à trouver, quoi. À part s'il est au plafond. Non. Bon, ben, je sens qu'on va galérer pour le dernier cadeau, quoi.
En tout cas, vous connaissez la ref. Hein. Réfléchissons. Au début, il n'y a qu'un passage. Mais après, on tombe dans un cul-de-sac. Il me manque un cadeau. Un cadeau. C'est vrai, depuis tout à l'heure, je me fais aller sur le sol, mais autant... passer par là ou pas? Non, je crois pas. Je sais pas. Si, il y avait le cadeau jaune sur la table. Bon, il me manque un cadeau. Oh non, j'ai un chrono, sinon je reste enfermé. Non. Ça va que j'ai un bon sens de l'organisation, en vrai. On manque un. Et je peux me barrer. Salut. Je suis niveau combien? 10. Moi aussi. Je crois qu'on est au niveau 10. D'où le fait du level. Et 8 minutes, 8 minutes quoi. Bon, j'avoue que c'est long, mais dans un autre sens, ce n'est pas assez long. Comment on va faire? Où est-ce que je peux trouver le dernier? Je suis sûr, le dernier, c'est dans un endroit où j'ai pas pensé du tout. J'aurais dû regarder la couleur du cadeau, en vrai de vrai ça m'aurait sûrement avancé à retrouver la couleur du cadeau. À part si c'est eux qui l'ont. Je sais pas. Parce que là dans cette pièce, à part un pneu et un jouet, y'a pas de cadeau. Là, y'a un plafond. Il y a des chaises, il n'y a pas de cadeau. Alors où peut-il être le dernier? 7 minutes. Oh là 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 là, vite avant que je meure, parce qu'après je dois recommencer. Et là il y a la télévision. Ah. 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 Que dalle. J'ai trop surestimé le jeu là et ses capacités. Quoique. Non. Mais il est où le dernier cadeau, sérieux? Yes! Et le dernier cadeau, les amis! On va pouvoir stop. Ça y est. Non, je déconne, on va pas stop. Là! Là! Là, 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 là. Au revoir, Georgie. À visiter l'aquarium. Ok, donc on visite ici, on sait jamais s'il y a un objet à récupérer. Ça c'est les guichets. Des poissons.
Il stagne. Ah! Ça commence bien. Une méduse. Donc c'est bon, je les récup. Alors, du coup, à mon avis, c'est à moi d'ouvrir les vols. Et ensuite, il se passe quoi? Je sais pas. T'as marqué quoi là? Ok. Bon, en vrai, je vois, j'ai rien compris. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'à la fin du niveau, on va finir sous l'eau. Dans un niveau sous l'océan. Et là, ça fait boum, il y a tout qui pète. Une grande pièce vide. Waouh. Ah mais je viens de capter mon niveau. En plus d'augmenter, il y a la couleur qui change. Bon, on va aller après par là, on va faire le tour du sicoir. Waouh. Allez hop, on est paré. Si ça pète, j'ai de quoi remonter à la surface ou pas. Je sais même pas à combien on est de pieds sous terre. Et si ça va péter? Il me manque une valve. Et voilà, je suis mort. J'ai fini le niveau. Bingo. Oh, toute mon enfance. Je suis chez Bob l'éponge. Enfin, dans le restaurant de Monsieur Krabs. J'ai pas mangé depuis des lustres. C'est Shrek Bob. Oh, I smell something tasty. Et voilà, je suis mort. Il m'a mangé. Oh, on a fait des niveaux. Ouais. Le crabe musclé. Pourquoi il fait nuit? Bon, du coup, ce que je vois, on peut pas récupérer ce que j'ai déjà récupéré. Ah d'accord, ça doit être une question de timing avant qu'il arrive en fait. Ok, donc ça me laisse le temps de visite quoi. Oh, I haven't eaten in ages. Oh, on est à 60 minutes donc une heure. Allez. Je me ferai pas avoir deux fois, je sais pas ce qu'il faut faire.
ne mourras pas. Et voilà, c'est niqué pour nous. Je sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas ce qu'on doit faire. Je peux pas acheter de co... Ouais, d'accord, 2005. On va essayer de monter sur le toit. Là-haut. Ah non, je crois que j'ai compris. Le but c'est que je l'esquive. Et que lui là il est dans la cuisine. On va vérifier. Ah mais non, mais c'est carrément après moi qu'il en a. Ok. Donc déjà on s'est enfermé. Ok. Eh, mauvais timing. C'est bon, j'ai compris. The pickles. D'ailleurs, il reste combien? Ouf. Bon, on fait la petite dernière de celui-là. Et puis on ferait une partie 2 du coup. Voilà, comme ça. Parce que là, une heure, je ne sais pas si vous tiendrez 2 heures, alors. Voilà. Parce que limite, c'est un film, le truc. Donc, eh ben, écoutez, voilà, on termine celui-là, hein. Je n'ai pas mangé depuis les lustres. Sniff sniff. Oh, je sens quelque chose de savoureux. Oui, c'est moi. On fure. Bon, là vous savez quoi, on va faire plus simple, on va se laisser là et puis, je vous dis à la prochaine, comme ça, voilà, on fera une partie 2 du coup, voilà, allez, salut à toutes les amis, tchuss.